Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube dédiée aux jets privés. Dans ces vidéos, je vais vous présenter en détail des jets privés d'exception et surtout de dernière génération. Cette semaine, je vous présente l'Embraer Praetor 600, considéré par l'avionneur brésilien comme le jet privé mid-size le plus technologique du marché, avec une autonomie intercontinentale de 7441 km et des commandes fly-by-wire. Il compte bien s'imposer sur son segment. Je vais vous présenter dans un premier temps l'extérieur de l'avion, ensuite on passera à l'intérieur de ce jet privé et surtout je vais vous expliquer comment vous aussi vous pouvez voyager dans ces avions d'exception. Les amis sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Maintenant, place à la présentation. Il faut savoir qu'Embraer est un avionneur brésilien qui existe depuis 1969. Embraer, ça signifie Empresa Brasileira de Aeronautica. Il s'est spécialisé dans les avions civils de petite et moyenne taille. Il fait aussi des avions de chasse, des avions de télédétection ou encore des avions de transport d'autorité. Et avec ce nouveau modèle, le Praetor 600, l'avionneur brésilien compte bien s'imposer sur le marché des jets privés mid-size et super mid-size, à l'instar des Legacy 450 et des Legacy 500. Comme je vous l'indiquais en introduction, il a une autonomie intercontinentale qui lui permet de parcourir sans escale 7441 km. Vous pourrez facilement faire un Paris-New York. La trappe à carburant se situe sur la droite, elle est juste ici. Il faut savoir qu'il y a 4 réservoirs d'essence, contrairement au Legacy 500 et à beaucoup de jets privés mid-size. Vous avez un réservoir sur chaque aile et aussi 2 réservoirs ventraux qui sont juste ici, avec une protection pour ces 2 réservoirs ventraux, avec cette sorte d'aileron qu'on retrouve sous l'avion. Si par exemple votre train d'atterrissage ne sort pas, en fait, cette protection va protéger les 2 réservoirs centraux. A noter que le réservoir, avec ces 4 réservoirs situés sur l'avion, peut contenir jusqu'à 7300 litres de kérosène. Le Praetor 600 peut décoller sur des pistes d'une longueur de 1350 mètres et il peut atterrir sur des pistes d'un peu plus de 900 mètres de distance. Et forcément, ça lui ouvre beaucoup d'aéroports par rapport à d'autres concurrents qui n'ont pas ces qualités. La prise de commande des Praetor 600 a été très bonne pour l'avionneur brésilien et surtout, il y a eu des livraisons. Plus de 15 livraisons ont été effectuées sur l'exercice. Ça a permis aux constructeurs brésiliens d'enregistrer, tout modèle confondu, près de 100 unités sur l'année 2019. Tout le monde n'aura pas besoin des capacités intercontinentales du Praetor 600. C'est pour ça qu'Embraer propose toujours ses Legacy 450 et 500. Au niveau de ses dimensions, il a une longueur de 20,74 m, une largeur de 21,50 m et une hauteur de 6,44 m. Et enfin, sur la surface de ses ailes, il présente une surface de 45 mètres carrés. Au niveau de l'espace pour les bagages, vous avez 4,4 mètres cubes. Vous pourrez rentrer environ 46 petites valises dans ce Praetor 600. Mais attention de bien prévoir ce que vous mettez dans cette soute car vous n'avez pas d'accès, contrairement à ses concurrents, depuis l'intérieur. Regardez ces gros moteurs juste au-dessus de moi. Ils sont fournis par Honeywell. Ce sont les HTF 7500E. Ils permettent au Praetor 600 d'atteindre une vitesse maximum de 1024 km/h, c'est environ Mach 0,83, et surtout d'avoir une vitesse de croisière de quasi 900 km/h, mais surtout une altitude de vol de plus de 13 000 mètres. Concernant le train d'atterrissage sur le Praetor 600, vous avez ce qu'on appelle un train tiré. Ça permet lors des phases d'atterrissage d'avoir un atterrissage beaucoup plus doux qu'avec un train d'atterrissage traditionnel. Aussi, il y a le système de freinage automatique qui est de série sur cet avion et vous avez la technologie Brake by Wire. Donc contrairement à des avions traditionnels dans lesquels le pilote freine et via un câble, vous êtes directement lié au système de freinage. Là, c'est pas du tout le cas en fait. Il y a une liaison entre le pilote et l'ordinateur et ensuite entre l'ordinateur et le système de freinage. Ça permet d'être beaucoup plus précis dans les phases d'atterrissage. Alors tout est doublé sur le Praetor 600, ça concerne les pneus et aussi le freinage. Vous avez des disques de frein avec des étriers à 5 pistons et les disques de frein sont en carbone. Ça permet d'avoir un freinage beaucoup plus efficace. Bonjour Gaël, alors là on est à l'intérieur du Praetor 600. Exactement. Quelles sont les caractéristiques spécifiques de ce magnifique jet privé? Alors grosse particularité là-dessus, c'est qu'on n'a plus le volant qu'on trouvait sur un avion
Classique. Classique, je dirais. Donc on est type Airbus, fly-by-wire, donc on a un mini-manche à droite et à gauche. D'accord. Avec une priorité qui peut être reprise en pressant un simple bouton. Okay. Donc si jamais un des deux pilotes se retrouve un peu en difficulté, l'autre peut prendre le dessus. On a également un système de manette, automanette, donc les gaz sont gérés intégralement par un système automatique. D'accord. Que le pilote contrôle en permanence évidemment, mais qui peut être totalement laissé à lui-même et qui lui va gérer la vitesse. On a un magnifique écran ici. Ok. Les deux principaux sur lesquels on trouve toutes les données du vol, donc les vitesses, altitude et attitude de l'avion, le cap aussi. D'accord. Au centre, sur les deux, on retrouve un où on peut avoir les systèmes affichés. Okay. L'autre, le FMS, c'est le Flight Management System, donc l'ordinateur de bord. D'accord. Dans lequel on rentre en fait notre route. Aussi toutes les données nécessaires au vol, comme par exemple ici, pour notre départ qui est prévu depuis Paris, une température de 13 degrés, on a le vent qui est rentré. Et l'avion, l'ordinateur va nous donner les vitesses à voler. Okay. La fameuse vitesse décisionnelle qui est pour notre cas ici 105 nœuds. Okay. Et ensuite une vitesse de rotation, la vitesse à laquelle on va cabrer l'avion pour décoller à 114 nœuds. D'accord. Dans ce cas-là, ici on peut avoir un écran avec la map, donc la carte. Okay. Ici un profil de notre plan de vol. Donc okay. On voit que l'avion est au sol pour l'instant et on voit ici le profil de montée, la croisière, plus tard on verra la descente. Okay. Ça nous donnera également le point auquel on doit descendre. D'accord. Tout ça, évidemment, sous la supervision du pilote, c'est pas l'avion qui décide, l'avion va proposer de faire quelque chose que le pilote a saisi dans l'ordinateur de bord. Ok, d'accord, on est assez assisté quand même dans cette avion. On est bien assisté, c'est des avions qui ont beaucoup de menus, de sous-menus. D'accord. Donc il faut savoir ce qu'on rentre dedans. Pour pas avoir de surprise, il faut pas que l'avion nous guide, mais c'est à nous de lui dire ce qu'on veut faire et ensuite de suivre et de vérifier constamment en fait qu'il fait vraiment bien ce qu'on lui a dit de faire tout à l'heure. Et en gros, par rapport au Legacy 450 et Legacy 500 qu'il remplace, alors qu'est-ce qu'il y a de beaucoup mieux dans ce cockpit? Alors, à savoir que le Legacy 450 qui peut être également le Praetor 500. Okay. Avec un tronc commun Legacy 500 et ensuite la nouvelle version Praetor 600, l'avionique c'est exactement la même. D'accord. Donc si on s'arrête à la porte du cockpit, t'as les mêmes écrans, mêmes dispositions, presque pas voir de différence. D'accord. Nous ce qu'on va voir ici par exemple, comme tu as déjà dû le dire avant, c'est que là on peut voir un fuel transfer qui permet D'accord. de transférer du pétrole des deux réservoirs centraux. D'accord. Vers les réservoirs dans les ailes. Vers les réservoirs dans les ailes. D'accord. Ce qu'on n'a pas dans les versions dans toutes les autres versions que le Praetor 600. Okay. Mais sans cela, devant, c'est exactement la même chose. D'accord. Ensuite, à une ou deux options près, par ici, on n'a pas de HUD, D'accord. Head-up display. Cet avion n'est pas équipé, c'est une option qui est relativement onéreuse. Alors, le HUD display, c'est ce qu'on appelle l'affichage tête haute dans ça, les voitures. Exactement, en fait. Voilà, ouais, tout à fait. Ça. Donc, cet avion n'est pas équipé de ça. D'accord. C'est une option qui peut être sympa, mais qui n'est pas obligatoire du tout. D'accord. Par contre, ici, on a une option qui est vraiment intéressante, c'est l'auto-break, justement. Ok. Permet de freiner l'avion en freinage automatique, soit en mode décollage, D'accord. ou une interruption de décollage, ou alors en atterrissage normal, où l'avion, lui, va gérer le freinage. Et il y a quatre niveaux sur l'autobreak. Hein. Donc, il y a low... Il y a RTO, Rejected Takeoff. Voilà, c'est ça. Qu'on a rentré ici, dans les performances, pour Okay. le décollage. D'accord. Donc, si je passe en off, par exemple, l'avion va me dire, attention, on a choisi ce mode-là, mais il n'est pas affiché. D'accord. Il est activé, du coup, il est activé. Ensuite, on a off. D'accord. Low, medium, high, ça c'est pour la partie atterrissage. Ok. Donc en gros, si tu mets high, tu vas avoir un auto-break très puissant. Très fort, très marqué. Là, ça va très être vraiment très marqué. Okay. C'est très marqué. D'accord. L'avion est équipé également de reverse. Donc comme on a déjà vu, c'est des inverseurs de poussée qui se trouvent au niveau des moteurs. Okay. Donc là, on a deux pelles qui s'ouvrent à l'arrière du moteur et qui permet effectivement de rediriger le flux des moteurs vers l'avant ou en tout cas plus vers l'arrière. Ok. Et alors, je regardais tout à l'heure, tu touchais cette souris, parce que là, c'est une souris, c'est ça? C'est des trackballs, en fait, oui, c'est ça. C'est que maintenant, on est vraiment sur une génération un peu ordinateur. D'accord. Donc, on a l'équivalent d'une souris de bureau. D'accord. Avec la roue. Voilà. Et les boutons, c'est que du clic gauche. D'accord. Du coup. Okay. Mais on peut effectivement confirmer, c'est très redondant. Hein. Donc, on a ici, on a là, on a trois boutons. D'accord. Pour faire la pour même la même commande. Pour D'accord. la même commande. Ok. Et tu me montrais tout à l'heure, il y a des tablettes. Ah oui, ça c'est quelque chose qui est fabuleux. Voilà. Parce que là, on a des petites tablettes, une à gauche, une à droite. Donc on peut les utiliser pour manger.
On peut les utiliser. C'est pas conseillé forcément. Si, si, c'est bien plus pratique que de poser les plateaux repas sur les genoux pendant les longs vols. Mais c'est surtout pour travailler en fait. C'est surtout pour travailler. C'est vrai qu'on peut poser nos plans de vol et avoir un suivi, prendre des notes. Et c'est un espace de travail qui est vraiment confortable. D'accord. L'avion aussi est très silencieux en poste de pilotage. On a des casques, ce qu'on appelle headset, avec un réducteur de bruit. Ok. C'est une grande marque qui fait ça d'ailleurs. Et c'est comme les écouteurs de salon. Hein. Donc on a un confort incroyable. Et alors, il faut noter que dans le Pretor 600, je me suis pas mal intéressé à ce modèle d'avion. Il est réputé pour son acoustique lorsqu'on est à l'intérieur. Alors je sais que c'est le cas pour les passagers, mais est-ce que aussi dans le poste de pilotage, non, tu sens la différence? Donc au niveau bruit aérodynamique, c'est relativement bas, c'est même très faible. Okay. Et dès le moment où en plus on met les casques sur les oreilles, on n'entend plus rien. On peut parler, mais vraiment normalement. D'accord. Sans devoir hausser le ton comme j'ai eu sur d'autres machines. De plus en plus dernières années. Ouais. Et sur la partie droite, là, on voit, là, c'est le plan de l'aéroport qui est indiqué. Ça, c'est les cartes de navigation qu'on avait en papier il y a encore quelques années, qu'on a maintenant sur tablette, pour ne pas citer de marque. Okay. Donc, nous avons des supports à gauche et à droite où on met des tablettes mini qui vont très bien à ces endroits-là. On a la reproduction de la carte qui est là. D'accord. Donc, ici, on a le schéma de l'aéroport du Bourget où on se trouve actuellement. D'accord. Donc là, nous sommes dans un hangar, donc on ne voit pas où est l'avion. Sinon, on verrait que notre avion est ici, d'accord, dans cette zone-là. Okay. Ensuite, on peut se déplacer encore sur les cartes, notamment la carte du départ. Et ça, c'est sur nos cartes de navigation. Et ça, c'est quand tu décolles, en fait, tu utilises cette carte. Voilà. Donc on a ça pour le roulage au sol, le décollage, les cartes d'approche, et toutes les cartes qui nous servent à la navigation. On a même les cartes en route, mais là. La qualité sur d'autres supports convient aussi très bien. En croisière, on utilise plutôt un autre mode d'affichage. D'accord. Donc là, on peut changer par exemple les modes d'affichage. Là, on a plusieurs mémoires. On peut changer vraiment. D'accord. Tu peux changer la disposition. La disposition. De tous les écrans. Voilà, là, on est passé en écran plein à droite. Et maintenant, on va repasser de nouveau en écran scindé en deux. Okay. Voilà. Donc la carte va charger. On va retrouver. Et quand l'avion est sous couverture GPS, on le retrouve ici et on le voit se déplacer. Donc l'avion suit sur la carte ce qu'on lui a rentré dans le FMS. Une chose intéressante à connaître, alors vous le savez peut-être, mais dans un avion, il n'y a pas de clé pour allumer les moteurs. Vous avez une clé pour en fait accéder à l'avion, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Donc pour ouvrir la porte, en fait, il faut une clé. En revanche, une fois qu'on est à l'intérieur de l'avion, n'importe quel avion, on peut lancer les moteurs sans aucun souci. Si vous avez les procédures sous la main, vous pouvez démarrer un avion sans clé. D'accord. Donc il faut savoir que tous les panneaux extérieurs sont fermés à clé, pour des questions évidentes de sécurité. Mais une fois qu'on est dedans, il n'y a pas un démarreur comme dans une voiture ou un petit avion à piston. Là, tout se passe par là-haut ou par là. D'accord. Sans donner plus de détails. Donc là, si tu veux, on est dans ce qu'on appelle le galet, en fait, le wet galet de l'avion. C'est un peu la partie où on va pouvoir préparer toutes les prestations passagers pour leur confort et bien-être pendant le vol. Donc on a plus la partie technique avec le poste de pilotage. Et ici, les personnels complémentaires de bord peuvent préparer tout ce qui est repas des passagers, agrément cabine, température, etc., etc. Donc on a un petit panneau de contrôle ici où on peut piloter pas mal de choses, notamment, tu vois, enfin, on a des infos comme le système de vidange des chasses d'eau, le chauffage à bord de l'avion, l'eau, les quantités d'eau. Donc il faut savoir qu'on a de l'eau potable, on a 15 litres ici devant, on a 15 litres derrière d'eau potable également, qu'on peut surveiller. Une partie diagnostique de l'avion pour savoir un petit peu ce qui fonctionne ou pas en cabine. Comme je te le disais, les températures, c'est assez user-friendly, il suffit juste de dialer. Tout est tactile en plus. Tout est tactile. Hein, on est, c'est une appli style iPad. Ou exactement. D'accord. Voilà, tu peux régler aussi toute la partie audio, donc il faut savoir que l'avion est équipé d'un lecteur Blu-ray, mais il est aussi équipé de plusieurs prises extérieures sur lesquelles tu peux brancher du HDMI, tu peux brancher des sources audio, etc., etc. Donc tu peux écouter de la musique dans l'avion. Exactement. Sans problème. La cabine a été particulièrement travaillée par Embraer. C'est l'une des cabines les plus silencieuses du marché. On a deux portes que je te montrerai tout à l'heure, qu'on appelle les pocket doors, qui isolent complètement la cabine. Et moi, pour l'avoir vécu en tant que passager sur les vols de convoyage de l'avion, c'est
c'est pratiquement le silence d'un appartement volant, quoi. C'est vraiment assez bluffant. Hein, venant tout comme dans le cockpit, en fait, parce que Gaël me disait que dans le cockpit, c'est aussi extraordinairement bien dans son ouais, ouais. C'est vraiment, sans avoir besoin de lever la voix, quelqu'un qui est assis en place gauche ou en place droite peut facilement demander à quelqu'un qui est au fond de la cabine quelque chose de façon intelligible. Donc, il y a vraiment là-dessus aucun problème niveau insonorisation. D'ailleurs, c'est l'un des arguments forts d'Embraer, c'est l'altitude cabine ainsi que son insonorité et le confort auditif qui fait de cet avion un produit assez exceptionnel. Du Wi-Fi bien évidemment, donc un routeur Wi-Fi conventionnel avec de l'accès internet. Donc sur l'internet on est sur de l'équivalent de la 3G, de la 4G. D'accord. Et au niveau des tarifs on n'est pas plus cher que du roaming à l'étranger en zone on va dire civilisé quoi, donc okay. Voilà, c'est assez sympa. En dessous, donc tu as qu'est-ce que c'est en alors fait, en fait bloc donc l'avion est plutôt pas mal équipé. On a un four micro-ondes qui permet en fait de faire des prestations chaudes aussi aux passagers. Quelques petits rangements, quelques petits tiroirs. On retrouve ici un évier de façon à pouvoir préparer du catering, un plan de travail conventionnel. Donc tu vois, on a un plan de travail qui permet de pouvoir faire la présentation et la préparation du catering. On a ici un coffee brewer pour la clientèle américaine qui préfère ça au Nespresso. On a aussi une espresso machine qu'on peut plugger sur l'alimentation de l'avion. Il faut savoir pour ceux qui nous regardent qu'une machine à café Nespresso dans un jet privé à installer, ça peut coûter très cher. Bah, en fait, ça coûte une fortune hein, de toute façon. Après, tout ce qui est option dans un jet privé, de par le principe que c'est certifié, si on devait par exemple faire installer en plus de cette machine à café une Nespresso machine, on serait sur des sommes astronomiques. Vraiment, quand je dis astronomique, je parle du prix d'un véhicule premium dans le commerce. D'accord. Parce qu'il faut que ce soit certifié. Voilà. Environ dans les 40-50 000 euros. Ouais, par exemple ouais, c'est vrai que ça fait cher la capsule Nespresso. Ouais, effectivement. Ouais, voilà. Ouais. Donc, du coup, nous, on peut proposer ce service à nos passagers en leur offrant une Nespresso machine, mais avec un voltage adapté bien évidemment pour la charge de l'avion, puisque l'avion n'a pas une charge illimitée. On a toujours des rangements, donc voilà, un espace de stockage pour nos personnels complémentaires de bord pour pouvoir faire des services. Okay. On retrouve ici, pareil, notre petite cantine avec tout ce qui est les couverts, le thé, les boissons, etc., etc. On a un beau rangement poubelle ici, voilà, qui est bien pratique sur les vols longs, qui nous permet de pouvoir stocker pas mal de choses. On a ici ce qu'on appelle des catering box, donc là c'est pareil, on peut stocker là-dedans toute la nourriture qu'on souhaite sur le vol et la faire armer par les caterers sur place dans les terrains sur lesquels on se rend. Donc toujours pareil, de la vaisselle, etc. On a ici un compartiment à boissons avec des boissons froides, donc là c'est pareil hein. On va pas avoir besoin d'utiliser de frigo, on va juste charger de glaçons ce compartiment et les températures seront proches des 4 degrés pendant facilement 5-6 heures voire 7 heures. Il n'y a pas de souci particulier avec ici des réserves de boissons. Donc là vraiment c'est vraiment pour le confort du passager, pour agrémenter le vol. Je t'expliquais que c'est un avion qui acoustiquement a été parfaitement réalisé. On a ce qu'on appelle ici un acoustic curtain. Donc c'est ce qu'on va faire, on va fermer le rideau, il est aimanté. L'avantage c'est que tu vas pouvoir isoler hermétiquement l'avion, garder du chaud ou du froid à l'intérieur en fonction de la température extérieure et acoustiquement aussi. Et ça en l'air, ça va enlever tous les bruits parasites qui pourraient être émis par la porte. Et tu vas avoir une qualité sonore dans le cockpit et dans la cabine qui est nettement améliorée. Donc je te montre en fait, niveau technique, tu vois, tout était monté. Et tu vois, hop là, voilà. Et tu vois, et on sent déjà la ventile de l'avion. Tu vois, il y a une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pour ça que ton rideau se gonfle un peu comme ça, quoi. D'accord. Voilà. Voilà. Mais ça, c'est vraiment, on a l'impression que c'est un gadget, mais sincèrement, le acoustic curtain, c'est quelque chose de vraiment, vraiment primordial. Pour toutes les phases de décollage et d'atterrissage, bien évidemment, il est rangé de façon à ce qu'on n'altère pas la sécurité. Au niveau des rangements, pareil, on a une petite penderie avec justement notre Nespresso machine. Et puis, pour les vols un peu plus longs, on a quelque chose de pas mal, ce qu'on appelle un observer seat. Donc en fait, on peut avoir la possibilité de mettre ici un troisième membre d'équipage, en fait,
sur ce siège. Donc c'est un siège technique, il est relié, il a son propre masque à oxygène, il a son propre masque radio. Et si tu veux, ce siège va pouvoir permettre, lorsqu'on va partir sur des destinations vraiment lointaines, de pouvoir travailler dans ce qu'on appelle une configuration crew renforcée, okay. Où là on va être trois pilotes et on va pouvoir monter des cars comme sur un bateau. Nicolas, donc là on est dans la cabine du Praetor 600. Alors quelles sont les caractéristiques principales du Praetor 600 sur sa cabine par rapport à d'autres concurrents ou à d'autres modèles de chez Embraer? Ben écoute, déjà vis-à-vis de la cabine en elle-même, il y a deux caractéristiques principales. C'est ce qu'on appelle un flat floor. Okay. C'est que tu remarqueras que le sol en fait est complètement plat. Il n'y a pas de passage à différents niveaux où on peut se coincer le pied ou autre. Donc ça, c'est très important pour la clientèle d'avoir ce qu'on appelle un sol style flat floor, de façon justement à pas avoir des problèmes structuraux de l'avion que tu peux rencontrer sur ton passage lorsque tu marches dans l'avion. Il y a certains avions où tu peux avoir une marche, où tu peux avoir un passage sur lequel tu peux buter. Buter, exactement. Donc ça, c'est full flat floor. Et puis ensuite, une autre particularité, ce qu'on appelle le stand-up cabine. Donc en fait, grosso modo, pour un profil conventionnel, 1m80, tu peux tenir debout sans avoir de problème particulier. C'est les deux grosses caractéristiques de la cabine. On peut être combien de passagers à l'arrière du Praetor 600? Au niveau du passager arrière, là, on est parti sur ce qu'on appelle un club 4, suivi d'un side-facing. Donc ça nous fait déjà 6 places, plus 3 sur la banquette. On est déjà 9. 9 là déjà, c'est bien chargé. Là, c'est plus un vol de travail, conseil d'entreprise, c'est pas trop du vol loisir, c'est plus working group. Et puis on a aussi un belted toilet, donc il faut savoir que le toilette à l'arrière, c'est un siège qu'on peut utiliser comme un siège passager conventionnel, qui monte à 10, plus après les deux pilotes et le siège supplémentaire, on peut avoir 11 personnes à bord. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup. Honnêtement, sur de la destination business-travail, on va dire 9. Et puis sur de la destination vacances, plaisir, 6 c'est bien. Par exemple, une famille avec deux enfants, enfin une famille avec deux enfants, plus par exemple les gens qui viennent gérer les enfants ou autre. Ou alors 4 personnes. L'avantage d'utiliser ce vecteur à 4 personnes, c'est que tu as un lit ici sur lequel tu es. En fait, c'est la banquette s'incline et on peut la transformer en lit. En lit de place, non? Alors c'est un lit, une place et demie. D'accord. Et ensuite, les sièges, c'est ce qu'on appelle des sièges burstable. Ils font 180 sur eux-mêmes. On va faire une démonstration tout à l'heure avec l'hôtesse. Et en fait, les sièges font un 180 sur eux-mêmes. Et en mettant un petit futon dessus, petit futon tout simple, on les transforme en lit. Donc, d'accord. Tu as 4 vrais couchages dans l'avion. Et le couchage le plus confortable, c'est celui sur lequel d'accord. tu es, qui lui est plus du 1,5. Tu vois, on pourrait voir une maman qui dort avec son enfant sans problème. Voilà. Et alors, je vois des tablettes dans l'avion. Alors... Ça c'est une tablette Apple traditionnelle, voilà. Mais ouais. Je vois dans des écrans sur les plafonds. Alors à quoi ils servent? Comme en fait, dans un avion traditionnel, tu peux régler la température. Alors voilà, les passagers ont la possibilité de choisir leur éclairage, leur température et autres. Ils ont ce qu'on appelle ici un show chart en fait, avec le temps de vol pour aller à destination, l'heure prévue à destination, tout ce genre d'informations. La cabine est quand même assez riche en gadgets. Donc comme je te dis, tu peux contrôler la température de celle-ci, tu peux contrôler l'éclairage, tu as un jeu de téléphone portable dans la cabine. Donc je vais te montrer tout simplement. Hein. Voilà, sur certains sièges, ici par exemple, on a la possibilité d'avoir un téléphone style DCT Giga 7. Donc ça, c'est un téléphone qui permet soit de communiquer directement avec le poste de pilotage et de demander au pilote des informations importantes ou qui va permettre par exemple à un groupe de travail de commander leur taxi à destination ou de passer un coup de fil tout simplement à raison pro ou perso quoi. Voilà, donc on est sur du téléphone Iridium. Il y en a deux en cabine plus un dans le cockpit. C'est du donc, téléphone satellite, c'est ça? C'est du téléphone satellite, c'est de l'Iridium, voilà, avec juste de la voice, et l'avion fait de la data aussi un petit peu, voilà. D'accord, ouais. Alors là tu as un téléphone, je vois un autre écran. Oui, alors ça c'est ce qu'on appelle ici, c'est le lead pax. Donc en fait, le lead pax, tout simplement parce que c'est le passager leader, c'est lui qui va configurer sa cabine comme il le souhaite. Il va retrouver toutes les informations que je t'ai montrées sur l'IFE là-bas à son siège. Donc il va choisir si on met les gens à dormir, la température, etc. etc. Donc généralement ici on dit c'est le lead pax qui s'assoit là.
D'accord. Celui qui commande la mission. Alors là, je vois pas un écran pour regarder la télé. Non. Alors, pour les écrans, tu remarqueras dans l'avion, il y a ces écrans-là sur lesquels on peut projeter des films. Donc, d'accord. Tu en as un derrière ici et un sur le côté. Mais on s'est aperçu, et beaucoup de constructeurs se sont aperçus de ça aussi, c'est que tu deviens très vite obsolète avec les technologies embarquées. Mm-hmm. Donc en fait, on va faire généralement le strict minimum. On va mettre une bonne sono ou du bon acoustique dans l'avion. Et pour tout ce qui est vidéo, généralement, les passagers ont souvent leur propre iPad ou leur propre ordinateur et ils regardent même leurs films et autres. Après, à titre exceptionnel, s'ils le souhaitent, on peut bien évidemment projeter n'importe quel film ou n'importe quelle vidéo sur ce type d'écran, mais c'est quand même pas monnaie courante. Voilà. D'accord. Voilà. Et les vols les plus longs que tu fais, donc c'est de l'intercontinental, c'est des vols qui durent combien de temps? Ouais, bah les plus long en termes de... Après, il faut que ça reste bien sûr confortable. Mais tu vois, il y a quelques temps, j'ai fait un Abu Dhabi-Paris avec pas mal de vent de face, 8 passagers. C'est un vol qui m'a pris 8 heures. Voilà, c'est bien. C'est un vrai vol long courrier. Si je dis pas de bêtises, il doit falloir à peu près 9 heures pour aller à Pointe-à-Pitre. Il faut 6 heures pour aller à New York. Alors, cet avion ne va pas à Pointe-à-Pitre en direct, mais l'esprit général, la notion de long courrier, c'est ça, quoi. Un vol de 8-7 ouais, heures. Ça commence à déjà faire pas mal. Voilà, ça fait pas mal. On est dans ce qu'on appelle du super mid-size. Mm-hmm. Il y a encore des catégories au-dessus où tu as des avions qui font vraiment du. Je m'assois parce que je fais presque 1m90 en fait dans la cabine, c'est un peu compliqué. Tu as des avions qui vont te permettre de faire plus, comme le Falcon 7X ou le Gulfstream 600, qui eux sont des avions. Extreme range, où là tu vas pouvoir faire des Paris-Tokyo d'une traite ou ce genre de choses. On n'est pas sur les mêmes tarifs. Mais non, attention. On n'est pas du tout sur les mêmes tarifs, on n'est pas sur le même produit. Pour rappel, un Praetor 600, c'est environ 21 millions de dollars, si je dis pas de bêtises. Voilà, prix catalogue annoncé par Embraer, c'est ce tarif-là. En Gulfstream, on est sur quasi le double. Voire même le triple. On reste quand même dans une gamme de jets assez accessible et surtout c'est hyper novateur. Enfin, je veux dire, jusqu'à présent, il n'existait pas de jet privé à moins de 21 millions de dollars avec des commandes de vol électriques, du break-by-wire. Cette technologie-là n'était pas accessible pour ce tarif-là. Mmh. Et Embraer a été vraiment les premiers à démocratiser ce genre de technologie et la rendre accessible au plus grand nombre en étant toujours relatif au microcosme de l'aviation d'affaires. Voilà. Donc on est dans la partie arrière de la cabine, toujours dans le confort passager. On a ici un beau lave-main avec pas mal de rangements qui nous permettent de ranger tout ce qui est du catering. On peut avoir des ustensiles de toilette pour se rafraîchir et autres. Comme je le disais, une réserve d'eau potable de 15 litres environ. Pas mal de rangements derrière les miroirs et autres. Voilà, ici en face on a, hyper important, l'issue de secours qui permet d'évacuer l'appareil, et aussi le toilette. Donc c'est un toilette comme on retrouve sur la majorité des avions de ligne, toilette à aspiration classique. Donc c'est quand même assez c'est un vrai toilette, c'est confortable. Il faut savoir que dans la majorité des petits jets privés, on est plus sur du toilette d'appoint. Là, c'est quand même un vrai toilette. Donc, sur des vols de 7 heures, ça reste un confort assez appréciable. Ouais. Assez appréciable, ouais. Et puis, on a une petite porte de rangement là derrière. Donc là, grosso modo, on va pouvoir stocker tout ce qui est penderie, tout ce qui est réserve de boissons, réserve de vaisselle. Et puis, on a ici aussi les deux canaux de sauvetage en cas d'amérissage pour pouvoir évacuer l'appareil. Voilà. Pour rappeler qu'il n'y a pas, je l'ai précisé sur l'extérieur, il n'y a pas possibilité d'accéder à la soute à bagages, contrairement à d'autres jets privés. Alors, le choix d'Embraer pour le Praetor 600, ça a été de fournir la cabine la plus grande possible. Donc, ils ont dû faire un petit compromis. Et le souci, c'est que souvent, de rendre la soute pressurisée et accessible de par la cabine, on en réduit la taille, puisqu'elle a des caractéristiques techniques renforcées de par le fait que la soute est pressurisée. La soute sur le Praetor 600 n'est pas pressurisée, comme sur ses petits frères les Phenom. L'avantage, c'est que ça nous laisse un gros volume de stockage en soute,
et ça nous laisse un beau volume de vie dans l'avion. Voilà, il y a un arbitrage à faire systématiquement. C'est la fin de cette vidéo de présentation de l'Embraer Praetor 600. Comme je vous le disais en introduction, vous pouvez aussi bien acquérir ce type d'appareil qu'aussi les louer pour des courts trajets. C'est comme ça que j'ai découvert la charterisation des jets privés avec des amis. On était parti un groupe de 8 personnes de Paris vers Ibiza. Ça nous avait coûté environ 850 € par personne. Alors bien sûr, les tarifs dépendent de beaucoup de facteurs. Ça dépend bien sûr de la destination, mais aussi de l'heure à laquelle vous partez. Et aussi du type de service que vous souhaitez. Il y a plusieurs sociétés qui sont spécialisées. Nous, on a été conseillés par la société Altinium par laquelle on est passé. C'est elle qui a pu faire en sorte que cette présentation soit réalisée aujourd'hui. On les en remercie. Et surtout, vous pouvez les contacter pour avoir des devis et des tarifications sur des courts trajets, mais aussi des longs trajets. Vous pouvez aussi bien partir à Ibiza que aller à l'autre bout de la planète, comme par exemple aux États-Unis ou encore en Australie. Il faudra juste un petit peu adapter le type d'appareil que vous choisirez. Je vous laisse le lien en description de la vidéo, donc contactez-les de notre part. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, et moi je vous dis ciao les amis.